Donc, ce que je voudrais maintenant, c'est parler d'une réalité très particulière de notre vie. Y lo que me gustaría ahora hablar es de una realidad muy especial de nuestra vida. Qui est un acte d'amour. Que es un acto de amor. Mais qui suppose aussi beaucoup de foi et d'espérance. Pero que también supone mucha fe y esperanza. Donc c'est un peu une illustration de ce que j'ai dit plusieurs fois. Y es un poco una ilustración de lo que he dicho varias veces. Nous sommes appelés à aimer. De que somos llamados a amar. À Dieu, notre prochain. A Dios, a nuestro prójimo. Mais que cet amour a besoin de se fonder sur l'espérance et la foi. Pero que ese amor necesita fundamentarse en la esperanza y en la fe. Je crois que c'est vrai en particulier donc pour le pardon. Y esto creo que es verdad, especialmente aplicable al perdón. Oui, parmi tous les actes d'amour du prochain. Entre todos los actos de amor al prójimo. C'est peut-être le plus difficile. Tal vez este sea el más difícil. Mais en même temps c'est le plus haut. Pero a la vez también es el más elevado. Oui, pardonner à quelqu'un qui m'a fait souffrir. Perdonar a alguien que me ha hecho sufrir. Bon, c'est pas facile, ça. No es fácil. Ça demande parfois beaucoup de temps. A veces requiere mucho tiempo. Il faut parfois des années pour pardonner vraiment. A veces hace falta años para perdonar de verdad. Mais en même temps, c'est très beau parce que c'est une victoire de l'amour. Pero al mismo tiempo es muy hermoso porque es una victoria del amor. Oui, là où le mal a été présent. Ahí donde estuvo presente el mal. Mais l'amour peut être plus fort. El amor puede ser más fuerte que le mal. Que el mal. Et puis aussi, je dirais que c'est important parce que le pardon empêche la propagation du mal. Y también es importante porque el perdón impide que el mal se propague. Mais ce qui se passe souvent dans la vie humaine. Lo que sucede con frecuencia en la vida humana. À une violence répond une autre violence. A una violencia se contesta con otra violencia. Une vengeance une autre vengeance. A una venganza otra venganza. Et puis ça s'arrête pas. Y eso ya no se para. Et pour que le mal s'arrête. Pues para que se detenga el mal. Ben, il faut qu'il y ait une personne qui ait ce courage de pardonner. Hace falta una persona que tenga ese valor de perdonar. De pas répondre au mal par le mal, mais. Es decir, no responder al mal con el mal. Mais par le bien, par la miséricorde, par le pardon. Sino con el bien, con la misericordia, con el perdón. Donc c'est une réalité qui est à la fois très difficile. Y es una realidad a la vez muy difícil. Presque impossible. Casi imposible. Mais en même temps, avec la foi et l'espérance. Pero al mismo tiempo con fe y esperanza. On peut y arriver peu à peu. Se puede conseguir poco a poco. Et c'est bon pour l'autre. Y eso es bueno para el otro. Mais c'est aussi bon pour moi. Y también para mí. Oui, c'est source de guérison pour moi aussi. Es fuente de sanación para mí también. On en reparlera un petit peu. Y que lo hablaremos luego. Alors c'est un thème évidemment qui est complexe, qui est un peu difficile, mais. Y claro que este es un tema complejo y difícil. Mais je vais en dire quelques mots. Pero voy a deciros unas palabras. Donc une première remarque. Primera observación. C'est une chose que j'ai vue assez souvent dans ma vie. Y es algo que he visto con bastante frecuencia en mi vida. C'est des personnes qui me disaient la chose suivante. Son personas que me decían esto. Oui, j'arrivais pas à pardonner. No conseguía perdonar. J'arrivais pas à dire je pardonne. No podía decir perdono. Parce que ça passait pas. Pues porque no, era imposible. Mais ce qui a été un peu plus facile pour moi. Pero lo que me resultó más fácil. Ça a été de dire non pas je pardonne. Fue decir no yo perdono. Mais mes pères pardonnent-leur. Sino padre perdónales. Ils ne savent pas ce qu'ils font. No saben lo que hacen. Donc c'est les paroles de Jésus en croix. Las palabras de Jesús en la cruz. Donc Jésus qui a pardonné à ceux qui le faisaient souffrir. Jesús que perdonó a aquellos que le hacían sufrir. Mais qui a utilisé ce langage. Pero que utilizó ese lenguaje. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. C'est ce que fera Étienne aussi. Bon. Y también lo hará Esteban. Et je crois qu'il y a une vérité profonde dans cela. Y creo que en esto hay una verdad profunda. Oui, c'est que l'homme ne peut pas trouver en lui-même la source du pardon. Y es que el hombre no puede encontrar en sí mismo la fuente del perdón. Il doit la trouver en Dieu. Tiene que hallarla en Dios. Dans la miséricorde du Père. En la misericordia del Padre. Puis c'est vrai qu'en un certain sens. Y es verdad que en cierto sentido. Dieu seul peut pardonner. Solo Dios puede perdonar. Parce que Dieu seul peut remettre complètement les péchés. Porque solo Dios puede perdonar completamente los pecados. Et puis surtout, Dieu seul peut guérir. Y sobre todo, solo Dios puede sanar. Il peut réparer le mal qui a été commis. Puede reparar ese mal que se ha cometido.
Et donc, c'est vrai que si nous, nous voulons pardonner, y es verdad que si queremos perdonar, c'est important de le désirer, de le vouloir. Y es importante desearlo, quererlo. Comme première étape, au moins. Como por lo menos como primera etapa. On a besoin de se tourner vers Dieu. Necesitamos volvernos hacia Dios. Vers le Père. Hacia el Padre. C'est aussi une grâce à recevoir. Y también es una gracia que hay que recibir. Enfin, y un appel, hein, Jésus est clair dans ce domaine-là. Hay una llamada, ¿eh? Jesús en este en esto es muy claro. L'Évangile parle beaucoup du pardon. El Evangelio habla mucho del perdón. Mais on dit même, je ne sais pas combien de fois par jour dans notre Père. Se dice, no sé cuántas veces por día, en el Padre nuestro. Pardonne-nous nos offenses. Perdónanos nuestras ofensas. Comme nous pardonnons. Como nosotros también perdonamos. Nous, on est comme tout le temps obligé de se remettre devant cette réalité. Siempre estamos como obligados a volvernos a poner ante esta realidad. Si tu veux recevoir tout l'amour du Père, si quieres recibir todo el amor del Padre, il faut que tu te décides pour le pardon. Tienes que decidirte por perdonar. Si tu veux obtenir miséricorde, si quieres obtener misericordia, ben, toi aussi sois miséricordieux. Tú también sé misericordioso. Donc il y a un appel constant, je dirais. Es decir que yo diría que ahí hay una llamada constante. Mais comme je l'ai déjà dit, vous voyez. Pero como lo decía ya, cet appel est exigeant, esa llamada es exigente, mais Dieu le rend possible. Pero Dios lo hace posible. Dieu rend possible ce qui était impossible. Él hace posible lo que era imposible. Si on se tourne vers lui, si uno se vuelve hacia él, si on demande cette grâce, si pedimos esa gracia, si on a la confiance que Dieu peut nous la donner, y si tenemos la confianza de que Dios puede darnos esa gracia. Il y a une espérance en Dieu qui est importante là aussi. Hay una esperanza en Dios que ahí también es importante. Puis donc, je voudrais maintenant montrer un petit peu. Y ahora me gustaría mostrar un poco que le pardon est un acte d'amour. Que el perdón es un acto de amor. L'acte de charité, le plus grand. Es el mayor acto de caridad. Mais cet acte de charité n'est possible que dans un regard de foi et d'espérance. Pero este acto de caridad solo es posible con una mirada de fe y esperanza. Et c'est vrai que quand la foi disparaît. Y la verdad es que cuando desaparece la fe, le pardon devient plus difficile. El perdón se hace más difícil. On le voit beaucoup aujourd'hui, vous voyez. Y eso se ve mucho hoy en día. Oui, très souvent, ce qui rend le pardon difficile. Con frecuencia, lo que hace que sea difícil perdonar. On a le sentiment que le mal qu'on a reçu. Es que uno tiene la sensación de que el mal, el daño que ha recibido. Les blessures que j'ai reçues à cause de telle ou telle personne. Las heridas que he recibido por esta persona o esta otra. Et bien que cela est un mal irrémédiable. Pues que eso es un daño irremediable. Que je ne pourrai jamais guérir. Del que nunca podré sanarme. Que je porterai toujours le fardeau de ces blessures. Y que siempre llevaré la carga de esas heridas. Que ma vie est brisée pour toujours. Que mi vida ha sido rota para siempre. Alors c'est vrai que au plan humain, il y a parfois des choses extrêmement lourdes. Y es verdad que a nivel humano, pues hay cosas de una carga grandísima. Des personnes qui ont été très profondément blessées. Personas que han sido muy profundamente heridas. Et que le chemin de guérison n'est pas facile. Y el camino de sanación no es fácil. Mais en même temps, je crois que c'est important de garder un regard de foi. Pero al mismo tiempo que creo que es importante mantener una mirada de fe. Si nous sommes chrétiens. Si somos cristianos. Faut garder la foi et l'espérance. Hay que mantener la fe y la esperanza. Donc avoir cette confiance que Dieu peut guérir. Es decir, tener esa confianza de que Dios puede sanar. Que ce que j'ai perdu par la faute des hommes, que aquello que he perdido por culpa de los hombres, oui, Dieu pourra me donner davantage. Dios podrá darme más. J'ai entendu il y a quelques années un beau témoignage d'un cardinal. Hace unos años oí un hermoso testimonio de un cardenal. Enfin, c'était un prêtre, mais que le pape François a nommé cardinal. Era un sacerdote y el Papa Francisco le nombró cardenal. Alors, je sais plus si c'était en Bulgarie ou en Albanie. No recuerdo si era Bulgaria o Albania. Enfin, c'est un homme qui a fait 25 ans de prison. Es un hombre que pasó 25 años en la cárcel. Donc, à l'époque communiste. En tiempos del comunismo. Mais qui s'est appuyé sur la foi et puis. Pero se apoyó en la fe. Qui a pu pardonner aussi. Y pudo perdonar. Oui, donc d'un point de vue, on peut dire que cet homme-là, il a perdu 25 ans de sa vie. Desde un punto de vista humano, ese hombre perdió 25 años de su vida. Qui pourra pas récupérer, ça, que ya no podrá recuperar, eso está claro. Mais d'un autre point de vue, pero voyez, desde otro punto de vista, grâce à sa foi, à sa prière, pues gracias a su fe y a su oración, à son pardon, y a su perdón, oui, cet homme est entré dans une force spirituelle. Este hombre entró
en una fuerza espiritual, une liberté, oui. En una libertad. Il a même pu annoncer l'évangile dans la prison, oui. Incluso podía anunciar el evangelio en la cárcel. Donc d'un côté, il a perdu beaucoup. Es decir, que por un lado ha perdido mucho. Mais d'un autre côté, il a aussi gagné beaucoup. Pero por otro lado, también ha ganado mucho. Et quand il est sorti de sa prison, y cuando salió de la cárcel, c'était pas un homme écrasé. No era un hombre aplastado. C'était un homme libre, oui. Era un hombre libre. Qui n'avait plus rien à perdre. Que ya no tenía nada que perder. Qui était rempli d'amour pour tous. Lleno de amor por todo el mundo, rancune, oui. Sin rencor, oui. Qui était libre, fort, oui. Libre, fuerte, adulte dans le Christ, adulto en Cristo, de manière assez extraordinaire. Y de una forma bastante extraordinaria. Oui. Alors, c'est vrai, je ne dis pas que c'est facile. Claro, no digo que esto sea fácil. Je sais pas ce que je ferais si j'étais à sa place. Yo no sé lo que haría si estuviera en su lugar. Enfin bon, je fais confiance à Dieu quand même. Pero bueno, confío en Dios. Vous voyez, souvent on a ce regard humain. Veis, con frecuencia tenemos esa mirada humana. On voit la blessure, on voit ce que la personne a perdu. Vemos la herida, vemos lo que ha perdido la persona. Mais on n'a pas cette espérance. Oui. Pero no tenemos esa esperanza. Que Dieu peut réparer le mal et. De que Dios puede reparar el mal. Et même donner davantage que ce qui a été perdu. E incluso dar más de lo que se ha perdido. Alors, c'est un peu fou de dire ça. Es un poco una locura decir esto. Si je le disais sur un plateau de télévision, je me ferais fusiller. Esto, si lo dijera en un plateau de televisión, me fusilarían. Oui, mais on est chrétien ou on n'est pas. Pero o somos cristianos o no lo somos. Le Christ est ressuscité. Cristo ha resucitado. Il est descendu aux enfers. Descendió a los infiernos. Il est ressuscité. Resucitó. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa? Qu'il n'y a pas de mal que Dieu ne puisse pas réparer. Que no hay ningún mal que Dios no pueda reparar. Et même dans l'abîme de la souffrance la plus profonde. Incluso en el abismo de la mayor de los sufrimientos. Le Christ est présent. Cristo está presente. Et Dieu peut ressusciter les morts. Y Dios puede resucitar a los muertos. Ce qui a été tué dans la vie d'une personne. Lo que se ha matado en la vida de una persona. Alors Dieu peut le ressusciter. Dios puede resucitarlo. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dire à la personne, tu dois pardonner. Eso no significa Dios donde tiene que perdonar. Parce que il faut beaucoup de temps pour que la personne. Porque hace falta mucho tiempo para que la persona. Puisse peu à peu arriver à cela. Poco a poco llegue a eso. Et parfois, j'ai entendu encore hier une personne qui me disait. Ayer todavía me decía alguien. Oui, tout le monde me disait pardonne, pardonne, pardonne. Todo el mundo me decía perdona, perdona, perdona. Ça m'empêchait d'avancer. Oui. Y eso me impedía avanzar. Parce que justement, on faisait pression sur moi. Porque me presionaban. Mais ça doit venir de la personne elle-même, de son cœur. Pero eso tiene que venir de la propia persona, oui, de su corazón. Qu'on m'impose, oui. No es un camino que me impongan. Mais un appel de Dieu que je suis et peu à peu. Oui. Sino es una llamada de Dios que yo voy a ir siguiendo poco a poco. Donc faut avoir beaucoup de délicatesse envers les victimes. Es decir, hay que tener mucha delicadeza con las víctimas. Faut d'abord qu'elles se sentent comprise. Primero tienen que sentirse entendidas. Se sentent accueillies. Se tienen que sentir acogidas. Respectées. Respetadas. Que leur désir de justice soit aussi respecté. Que se respete también su deseo de justicia. Et après, un chemin de pardon pourra venir. Y luego podrá venir el camino de perdón. Mais il faut quand même, je dirais, garder cette confiance, voyez. Que pero esta confianza tenemos que mantenerla. Que la puissance et l'amour de Dieu. Confianza en que el poder y el amor de Dios sont plus grands que le mal. Son más grandes que el mal, que el daño. Le mal que j'ai fait. El mal, el daño que hice. Mais aussi le mal que j'ai subi. Y también el que yo he sufrido. Donc, parce que quand on n'a plus cette espérance. Porque cuando ya perdemos esa esperanza. De la guérison de Dieu. De la sanación de Dios. De la fidélité de Dieu. De la fidelidad de Dios. Ça devient pratiquement impossible de pardonner. Ya se hace prácticamente imposible el perdonar. Parce qu'on a l'impression justement que le mal qu'on a reçu. Porque uno pues tiene la impresión de que ese daño ese que ha recibido. Il n'y aura jamais de remède de guérison. No tendrá nunca más remedio o sanación. Il y a aussi un deuxième aspect selon lequel le pardon est un acte de foi et d'espérance. Y también hay otro aspecto según el cual el perdón es un acto de fe y de esperanza. Oui, donc c'est là je viens parler d'un acte d'espérance par rapport à soi-même. Veis, acabo de hablar de un acto de esperanza con respecto a uno mismo. Oui, la guérison de mes propres blessures. Sanación de mis propias heridas. Que Dieu fera un jour. Que oui. Dios hará algún día. Si j'espère en lui, si je crois en lui. Si espero en él, si creo en él.
Mais là, je vais parler d'une espérance non pas par rapport à moi, mais par rapport à l'autre. Et ahora voy a hablar de una esperanza no con respecto a mí, sino con respecto a l'autre. La personne qui m'a fait souffrir. La persona que me ha hecho sufrir. Qui m'a fait du mal. Que me ha hecho daño. Parce que donc si quelqu'un m'a fait souffrir. Porque si alguien me ha hecho sufrir. Que je refuse de pardonner. Y que me niego a perdonarla. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa eso? Ça veut dire que j'identifie la personne. Significa que identifico a la persona. Avec le mal qu'elle a commis. Con el daño que ha cometido. Oui. Donc cette personne a fait le mal. Esta persona ha cometido un mal, oui, un daño. Elle m'a fait souffrir. Me ha hecho sufrir. Je refuse de pardonner. Y me niego a perdonarla. Je le considère toujours comme un ennemi. La considero siempre como un enemigo. Et ça changera pas. Oui. Y esto no va a cambiar. Mais est-ce que c'est juste? Oui. Pero ¿es eso justo? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'espérance? ¿Acaso no hay ahí una falta de esperanza? Cette personne qui m'a fait souffrir. Porque esa persona que me ha hecho sufrir. Bon, elle a fait le mal. Ha hecho un daño. Il ne s'agit pas de dire qu'elle a fait le bien. No, no se trata de decir que ha hecho algo bueno. Faut être clair dans son langage. Hay que ser claros con el lenguaje. Et en même temps, cette personne, j'ai pas le droit de l'identifier à tel acte de sa vie. Pero al mismo tiempo no puedo identificar a esa persona con un acto de su vida. Bon, elle a fait un acte qui était mauvais. Cometió un acto malo. Mais la personne est plus grande que ses actes. Pero la persona es más grande que un acto. Elle peut changer. Y puede cambiar. Oui, elle peut se repentir. Puede arrepentirse. Elle peut se convertir. Puede convertirse. Et donc on n'a pas le droit d'enfermer la personne. Es decir, que no tenemos derecho de a encerrar a una persona a une certaine période de sa vie, a un periodo determinado de su vida, a tel acte mauvais que cette personne a commis, o a un acto malo que esa persona ha cometido. Nous sommes de bons catholiques et veis, somos buenos católicos. Nous avons nos églises qui sont remplies de saints. Tenemos nuestras iglesias llenas de santos. Dans les vitraux, les icônes, les peintures, les statues. Oui. En las vidrieras, iconos, cuadros. Avec des beaux visages lumineux puis des belles auréoles. Con rostros luminosos, con aureolas. Enfin, quand on connaît l'histoire de ces personnes-là. Pero cuando conocemos la historia de esas personas. Tous ces saints que nous vénérons aujourd'hui. Todos esos santos que veneramos hoy. Il y avait des assassins. Pues entre ellos había asesinos. Il y avait des adultères. Había adúlteros. Il y avait des voleurs. Había ladrones. Il y avait tous les péchés qu'on peut imaginer. Oui. Había todos los pecados que uno pueda imaginar. Mais il y a eu la grâce de la conversion. Pero tuvieron la gracia de la conversión. Una persona se repentí, tu as changé son cœur. Una persona que se arrepiente, Dios le cambia el corazón. Et puis elle a fait un beau chemin de sainteté. Y emprendió un hermoso camino de santidad. Et je pense que quand on a le courage de pardonner à quelqu'un. Y creo que cuando uno tiene el coraje, el valor de perdonar a alguien. C'est aussi cette espérance qu'on exprime. Estamos expresando también esa esperanza. Je veux pas condamner cette personne. No quiero condenar a esa persona. De manière définitive. De forma definitiva. Je demande la grâce de pardonner. Y pido la gracia de perdonar. Et une des raisons pour lesquelles je demande la grâce de pardonner. Y uno de los motivos por los que pido la gracia de perdonar. Parce que j'espère dans la conversion de cette personne. Es porque espero la conversión de esa persona. Et bien qu'un jour on se retrouvera au ciel. Y que algún día nos encontraremos en el cielo. Qu'on sera plus des ennemis mais des amis. Y ya no seremos enemigos sino amigos. Et comme la jeune Maria Goretti là. Como María Goretti, qui a été assassinée à l'âge de 12 ans. A quien asesinaron a la edad de 12 años. Par un homme qui voulait abuser d'elle. Un hombre que quería abusar de ella. Et dans son agonie. Y en su agonía. Elle a pardonné à cet homme. Le perdonó a ese hombre. Elle a demandé à Jésus de l'envoyer au ciel. Le pidió a Jesús que le mandara al cielo. Qu'il puisse aller dans le paradis. Que pueda ir al paraíso. Puis 20 ans après, il s'est converti. Y 20 años después, ese hombre se convirtió. Après du temps, il s'est converti. Requirió tiempo, pero moi, se convirtió. Je pense que cet acte d'espérance de Maria Goretti. Y yo creo que fue ese acto de esperanza de Maria Goretti. Dans la possible conversion de cet homme. En la posible conversión de ese hombre. Son refus de le condamner. Es decir, se negaba ella a condenarle. Bien qu'il a obtenu la conversion de cet homme. Eso fue lo que obtuvo la conversión de ese hombre. Oui, donc je crois que il y a une force dans l'espérance. Veis, creo que hay una fuerza en la esperanza. Je pense que quand on a cette espérance que. Y creo que cuando uno tiene esa esperanza. Que cette personne qui aujourd'hui a fait le mal. Esa persona que hoy ha hecho un daño. Bien, Dieu pourra changer son cœur. Dios podrá cambiarle el corazón. C'est plus facile de pardonner, oui. Y es más fácil perdonarla. C'est clair. Eso está claro. Si cette personne change, si esa persona cambia, bien, j'ai plus de raison de lui en vouloir autant. Pues ya no tengo motivo para
estar en contra ella tan, tan fuertemente. Y hay un texto que yo creo muy interesante sobre el sujeto. Y hay un texto que sobre este tema me resulta muy interesante. C'est dans la lettre aux Romains de l'apôtre Paul. Epístola a los Romanos del apóstol Pablo. Au chapitre 12. Capítulo 12. C'est un passage où Paul parle de l'amour des ennemis. Es un pasaje donde Pablo habla del amor a los enemigos. Donc, tout à fait dans la ligne de l'évangile, hein, comme Jésus en parle. Siguiendo la línea del evangelio, igual que habla Jesús. Hein, où Paul dit, ben voilà, si quelqu'un t'a fait du mal. Donde dice Pablo, si alguien te ha hecho daño. Fais-lui du bien. Hazle el bien. Donne à manger à ton ennemi s'il a faim. Dale de comer a tu enemigo si tiene hambre. Oui, donne-lui à boire. Dale de beber. Oui, ne te laisse pas vaincre par le mal. No te dejes vencer por el mal. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Sino que vence el mal con el bien. Oui, là où il y avait du mal, eh bien, ne rajoute pas du mal. Donde había algo malo, no añadas algo malo. Mais fais du bien. Sino haz el bien. C'est comme ça que les choses vont changer peu à peu. Y así es como las cosas cambiarán poco a poco. Donc on va lire les mots de Saint Paul. Y vamos a leer esas palabras de San Pablo. C'est chapitre 12 de la lettre aux Romains. Capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Versets 20 à 21. Versículos 20 a 21. 20 a 21. Que dice: antes al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Donc voilà l'exhortation de Paul. ¿Veis la exhortación de Pablo? Et donc il y a une chose un peu curieuse dans les mots de Paul. Y en estas palabras de Pablo hay algo un poco curioso. Il dit, donc si tu fais du bien à ton ennemi, dice, si le haces bien a tu enemigo, eh bien, tu accumules des charbons ardents sur sa tête. Acumulas ascuas ardientes sobre su cabeza. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? ¿Y esto qué significa? Est-ce que c'est la punition de Dieu? ¿Es el castigo de Dios? Oui, un peu comme dans l'évangile de Saint Luc là. Como un poquito en el Evangelio de San Lucas. Il y a toute l'équipe de Jésus et des apôtres qui monte à Jérusalem. Donde está todo el equipo de Jesús con sus apóstoles que suben hacia Jerusalén. Ils traversent la Samarie. Atraviesan Samaria. Et puis il y a un village de Samaritains qui refuse de les accueillir. Y hay un pueblo samaritano que se niega en acogerlos. Et puis Jacques et Jean qui disent à Jésus. Y Santiago y Juan le dicen a Jesús. Seigneur, donne-nous la permission. Señor, danos permiso. De faire tomber le feu du ciel. Para que caiga fuego del cielo. Sur ce village. Sobre ese pueblo. Jésus dit non. Il dit Jésus non. On va aller dans un autre village. Vámonos a otro pueblo. Je suis pas venu pour détruire. Que no he venido a destruir. Tous les pécheurs. Mais a todos los pecadores. Pour donner ma vie pour eux. Sino a dar la vida por ellos. Donc oui, c'est pas évidemment la punition de Dieu qu'on invoque. Veis, con las ascuas no es realmente lo que estamos hablando del castigo de Dios. Mais pour comprendre le sens de ces charbons. Sino para entender el sentido de estas ascuas. Il faut se rappeler comment on faisait à l'époque pour purifier un métal. Voyez. Recordemos cómo en aquella época se purificaba el metal. Comment on extrait un métal du minerai. Como de un mineral se extraía el metal. Alors on met une couche de charbon très chaud. Voyez. Se ponía una capa de carbón muy caliente. On met le minerai. El mineral encima. Et puis on rajoute du charbon. Y luego encima otra capa de carbón. Des grandes couches. Capas gordas. Oui, jusqu'à ce que la chaleur soit tellement intense. Hasta que el calor fuera tan intenso. Que le métal va fondre. Que se derretía el metal. Il va perdre toutes ses impuretés. Perdiendo ahí sus impurezas. On aura de l'or, de l'argent très pur. Y ahí se consigue oro, plata, muy puros. Sous l'effet du feu et de la chaleur. Bajo efecto del fuego, del calor. Donc c'est quoi l'idée alors? Entonces, ¿cuál es la idea? Quand je fais du bien à l'autre, cuando al otro le hago bien, bien je mets sur sa tête, estoy poniendo sobre su cabeza le feu du Saint-Esprit, el fuego del Espíritu Santo. Quand Santo. Le feu sera suffisamment fort. Y cuando ese fuego sea lo bastante fuerte, en quantité suffisante, con cantidad suficiente, bien ce feu va descendre, ese fuego descenderá, puis va faire fondre le cœur de la personne, y derretirá el corazón de la persona. Il va enlever sa dureté, sa méchanceté. Le quitará la dureza, la maldad. Il va purifier son cœur. Purificará su corazón. Oui, il aura la grâce de la conversion. Tendrá la gracia de la conversión. Moi, je crois que c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Y creo que esa es la idea que yace detrás de esto. Je trouve que c'est une idée très très forte. Y me parece que es una idea muy fuerte. Cette force de la foi, de l'espérance. Esa fuerza de la fe, de la esperanza. Cet ennemi, je vais pas lui faire du mal.
à cet ennemi, je ne vais pas faire de mal. Je ne vais pas me venger. Non me voy a vengar, mais je vais prier pour lui. Sino que rezaré por él, je vais lui pardonner. Le perdonaré, oui, je vais lui faire du bien. Le haré el bien. Je sais qu'en faisant ce bien, y sé que haciéndole el bien, je prépare une Pentecôte. Estoy preparando un Pentecostés. Il y aura une effusion du Saint-Esprit. Habrá una efusión del Espíritu Santo. Qui va tomber sur cette personne, que caerá sobre esa persona, et qui va changer son cœur, y que cambiará su corazón. Alors, je sais pas quand, no sé cuándo, dans 10 ans, dans 20 ans, dentro de 10, 20 años, je sais pas comment Dieu fera, no sé cómo lo hará Dios, mais j'ai cette espérance, pero tengo esa esperanza, et je crois qu'il y a une force, voyez. Y creo que ahí hay una fuerza. L'espérance ne déçoit pas. La esperanza no decepciona. Comme dit Saint Paul. Como lo dice San Pablo. L'espérance ne déçoit pas parce que l'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs. No decepciona porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Le psaume dit qui espère en Dieu ne sera pas confondu. Dice el salmo el que espera en Dios no quedará confundido. Jean de la Croix dit on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Y dice San Juan de la Cruz obtenemos de Dios tanto como esperamos de él. Oui, tout ce que nous espérons de Dieu. Todo lo que esperamos de él. Avec une foi profonde. Con una fe profunda. Oui, nous sera donné. Se nos dará. Et je crois que c'est, on peut comprendre aussi comme ça un passage de l'Évangile. Y creo que se puede entender así el pasaje del Evangelio. Bon, qui a plusieurs significations. Hein. Que tiene varios significados. J'espère ne pas être hérétique, mais. Y espero no ser herético. Jésus dit la chose suivante, il dit, oui, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Dice Jesús, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Autrement dit, si sur terre je pardonne. Dicho de otra forma, si perdono en la tierra. Je renonce à une vengeance. Si renuncio a vengarme. Oui, je délie quelque chose. Et oui. Desato algo. Et bien dans le ciel. Pues en el cielo. Il se passe aussi quelque chose de grand. Oui. También sucede algo grande. Oui, oui, Dieu prépare une Pentecôte. Dios prepara un Pentecostés. Oui, hein, que, oui, je le disais un petit peu hier pour autre chose, c'est que nos actes de charité. Ayer lo decía un poco por otra cosa, pero bueno, nuestros actos de caridad. Oui, nos actes de miséricorde. Nuestros actos de misericordia. Oui, le pardon que l'on donne. El perdón que uno da. Oui, c'est pas seulement une affaire privée. No es solo algo privado. Oui, entre deux personnes. Entre dos personas. Mais ça a des répercussions dans le ciel. Sino que tiene repercusión en el cielo. Ça fait venir le Saint-Esprit. Eso hace que venga el Espíritu Santo. Ça fait venir le royaume. Oui. Viene el reino. Je crois que c'est très encourageant pour nous. Y eso creo que nos da mucho ánimo. Le jour où j'ai du mal à pardonner à mon mari. El día en el que me cuesta perdonar al marido. Ou inversement, oui. O a la inversa. Me dire non, ben voilà, je demande à Dieu le courage de pardonner. Pues decimos no, le pido a Dios el coraje, el valor para perdonar. Parce que ça sera bien pour ma femme. Porque será bueno para mi esposa. Ça sera bien pour moi. Bueno para mí. Et ce sera bon pour le monde entier. Y bueno para el mundo entero. C'est comme ça que peut-être que les terroristes vont se convertir. Así es como a lo mejor se convertirán los terroristas. Les personnes enfermées dans le mal, dans le péché. Personas encerradas en el mal, en el pecado. C'est peut-être comme ça que qu'ils se convertiront. Tal vez así se conviertan. À travers ce pardon que je donne aujourd'hui. A través de ese perdón que doy hoy. Dans ma communauté, dans ma famille. En mi comunidad. Dans ma paroisse, mi familia, mon diocèse. En mi parroquia, en mi diócesis. Oui, cet acte humble. Oui, ese acto tan humilde. Mais courageux. Pero que requiere valor. Oui, il ouvre une fenêtre dans le ciel. Pues abre una ventana en el cielo. Jésus dit, vous verrez les cieux ouverts. Y dice Jesús, veréis los cielos abiertos. Alors, il y a beaucoup de manières d'ouvrir le ciel. Y hay muchas formas de abrir el cielo. Par la louange. Con la alabanza. Par la prière. Con la oración. Et le pardon aussi. Y el perdón también. Et tous nos actes de miséricorde. Y todos nuestros actos de misericordia. Chacun ouvre une petite fenêtre dans le ciel. Cada uno ahí abre una ventanita en el cielo. Comme ça, pshht. Y así pues va cayendo. Viendra la grande Pentecôte. Y vendrá el gran Pentecostés. Que Dieu prépare pour son Église et pour l'humanité. Que Dios prepara para su iglesia y para la humanidad. Donc, vous voyez, ça peut aider. ¿Veis? Eso puede ayudar. Quand on a cette confiance, cette foi. Cuando uno tiene esa confianza, esa fe. On
peut trouver un certain courage. Podemos hallar cierto coraje, cierto valor. Ça peut rester difficile, ça peut prendre du temps. Podrá ser difícil, podrá requerir tiempo. Et puis il faut commencer par le désir de pardonner. Y se empieza por ese deseo de perdonar. Après demander la grâce. Puis, luego se pide la gracia. Et parfois il faut pardonner une fois. A veces hay que perdonar una vez. Il faut quand même recommencer plus tard. Y luego volver a empezar más tarde. Parce qu'il y a des émotions qui reviennent. Pues porque nos suben emociones. Des rancunes, des colères. Et rencores, cóleras. Donc il faut beaucoup de temps pour se débarrasser. De lo, para lo cual hace falta mucho tiempo para quitarse todo esto de encima. Ça, c'est normal. Y eso es normal. Mais il faut simplement prendre la bonne direction. Pero simplemente tenemos que coger la buena dirección. Alors, ce que je voudrais un petit peu aussi développer parce que c'est très important. Y lo que también me gustaría desarrollar un poco porque es muy importante. C'est que le pardon c'est un acte d'amour du prochain. Es que el perdón es un acto de amor al prójimo. C'est un acte d'amour de Dieu. Es un acto de amor a Dios. C'est vrai parfois mais j'ai entendu des personnes qui me disaient ça. Oui. Y he oído a personas que me decían esto. J'ai rencontré un gars aux États-Unis. De hecho, en Estados Unidos me encontré con un muchacho. Un laïc m'a beaucoup touché. Fue un laico que me llegó muy hondo. Oui, il s'occupait de pauvres dans la région de Detroit. Él se ocupaba de pobres en la zona de Detroit. Il y a toutes des parties de la ville là, qui sont un vrai désastre. Porque hay partes de esa ciudad que son un auténtico desastre. Dans la banlieue. Lo que es la periferia de la ciudad. Il y avait toute une industrie de voitures. Antes ahí había mucha industria automovilística. Ford, Chrysler, tout ça. Ford, Chrysler. Bon, qui a disparu complètement. Todo eso ha desaparecido. Et donc surtout les ouvriers noirs qui travaillaient là. Y todos los obreros negros que trabajaban sans travail. En esas fábricas pues están sin trabajo. Il y a des grands quartiers. Y hay barrios grandes. Une immense pauvreté. Con muchísima pobreza. Où les gens squattent des maisons. Donde la gente son ocupas en las casas. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Enfin bon. Sin electricidad, sin agua. Et donc lui, il travaille là. Il a. Y este muchacho ahí trabaja. Il a un centre pour accueillir les pauvres. Tiene un centro para acoger a pobres. Pour donner à manger. Eh, para darles de comer. Des vêtements, une douche. Ropa, una ducha. Des médecins. Medicina. Des avocats qui s'occupent de leurs affaires. Enfin. Abogados que se ocupan de sus asuntos. Il fait un travail extraordinaire. Y realiza un trabajo extraordinario. Mais pas facile. Que no es fácil. Parce que parfois ils lui font des coups terribles. Voyez. Porque a veces le juegan unas malísimas pasadas. Il y en a un qui lui a volé sa voiture. Uno le robó el coche. Un autre lui a volé son téléphone. Otro le robó el teléfono. Ah, y a des moments il supportait plus. Tu vois. Y hay momentos en los que él ya no aguantaba. Il en pouvait plus, puis il avait envie de les mettre tous en prison. Y ya no podía más y quería meterlos a todos en la cárcel. Et puis, et il a entendu Jésus qui lui disait. Y oyó que le decía Jesús. Continue à t'occuper d'eux. Sigue ocupándote de ellos. Pardonne-leur. Perdónales. Et fais-le pas pour eux. Y hazlo no por ellos. Mais fais-le pour moi. Hazlo por mí. Là, pour moi, Jésus. Por mí, Jesús. Et là, il a eu le courage. Y ahí le entró ese valor. C'est vrai que parfois il y a des actes de charité tellement difficiles. Porque a veces hay actos de caridad que son tan difíciles. Qu'on peut pas le faire pour l'autre. Que no podemos hacerlos por el otro. On peut le faire pour Jésus. Pero por Jesús sí podemos hacerlo. On peut rien refuser à Jésus. No le podemos negar nada a Jesús. Il nous a tellement aimé. Que... Nos amó tantísimo. Oui. Quand on n'a plus aucun courage. Que cuando a uno ya no tiene ya ese valor. Bien, il faut continuer. Hay que seguir. Oui, pour Jésus. Por Jesús. Et peu importe que les gens soient reconnaissants ou pas. Poco importa que luego la gente tengan agradecimiento o no. Oui, peu importe que je réussisse ou pas. Poco importa que lo consiga o no. Oui, c'est pour Jésus. Sino que lo hago por Jesús. Oui, ça suffit. Y con eso basta. Je ne sais plus où j'en étais. Même. J'ai perdu le fil. He perdido el hilo. Oui, ce que je veux dire, oui, c'est que donc le pardon est un acte d'amour de l'autre. Sí, el perdón es un acto de amor al otro. Un acte d'amour de Dieu. Un acto de amor a Dios. Mais c'est aussi un acte d'amour de soi-même. Pero oui. También es un acto de amor a sí mismo. Parce que ça nous fait du bien. Porque es bueno para nosotros. Oui, ça nous rend libres. Nos hace libres. Ça c'est très important de le comprendre. Y esto entenderlo es muy importante. Parce que si je refuse de pardonner, porque si me niego a perdonar, oui, je reste prisonnier. Sigo preso.
Il est prisonnier de mon passé. Preso de mi pasado. Une personne m'a fait souffrir il y a 20 ans. Una persona me hizo sufrir hace 20 años. Et aujourd'hui, je lui en veux encore. Sigo contra esa persona. Je suis encore en colère. Sigo con ira. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa eso? Ça veut dire que je suis ligoté à mon passé. Significa que estoy atado a mi pasado. Je suis pas libre. Y no soy libre. Oui, pour vivre, pour être heureux aujourd'hui. Para ser feliz hoy. Pour recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui. Para recibir la gracia de Dios hoy. Pour aimer, pour faire le bien. Para amar, para hacer el bien. Je suis pas libre. No soy libre. Je suis attaché à mon passé. Et oui. Estoy atado a mi pasado. Et puis, je reste dans une dépendance. Y me mantengo en una dependencia. Quand on en veut à quelqu'un. Porque cuando tienes algo en contra de alguien. Quand on a une colère, une amertume contre quelqu'un. Cuando tienes una ira, una amargura contra alguien. Quand on a de la haine contre quelqu'un. Odio contra alguien. Eh bien, on est dans une dépendance. Estás ahí en una dependencia. C'est clair. Y eso está claro. On n'est pas libre. No somos libres. Okay. Mais quand on pardonne. Pero cuando uno perdona. Il y a comme un lien qui est coupé. Hay como un vínculo que se corta. Je suis libre. Y soy libre. J'ai plus besoin de penser à cette personne. Ya no necesito pensar en esa persona. Mais quand on en veut beaucoup à quelqu'un. Cuando tienes algo muy fuerte contra alguien. Oui, on y pense beaucoup. Te lo estás pensando en ello mucho. Ça prend de la place dans notre cœur. Y eso ocupa sitio en nuestro corazón. Ça étouffe quelque chose en nous. Y es como que asfixia algo en nosotros. Oui, une joie d'aimer. La alegría de amar. Oui. Oui, on parle, les psychologues, ils parlent de dépendance émotionnelle. Los psicólogos hablan de dependencia emocional. Parfois, on aime trop quelqu'un. A veces, pues, se le ama demasiado a alguien. On peut être dépendant de cette personne-là. Y puedes tener dependencia con respecto a esa persona. On l'aime de manière exagérée. Porque amas de forma exagerada. Mais quand on déteste quelqu'un, pero cuando odias a alguien, il y a aussi une dépendance émotionnelle. También hay una dependencia emocional. On pense tout le temps, on pense autant à quelqu'un qu'on déteste qu'à quelqu'un dont on est amoureux. Piensas tanto en alguien que odias como en alguien del que estás enamorado. Quand on en veut vraiment à quelqu'un, on y pense tout le temps. Cuando tienes algo fuerte contra alguien, siempre estás pensando en ello. Donc on est ligoté. Entonces estás atado. On est dépendant de cette personne. Dependiente de esa persona. Il faut absolument retrouver sa liberté. Y hay que recobrar la libertad absolutamente. En pardonnant. Perdonando. Et c'est le seul moyen de retrouver sa liberté. Y es la única forma de recobrar la libertad. C'est le seul moyen de guérir complètement. La única forma de sanarnos completamente. Oui, tant que je pardonne pas. En tanto no perdone. Bien, je ne guérirai pas complètement. No me sanaré completamente. Du mal que j'ai reçu de l'autre. Del daño que recibí de otro. Je serai pas totalement libre. No estaré completamente totalmente libre. Il faut aller jusqu'au bout, oui. Y hay que ir hasta el final. Pour guérir. Para sanarse, pour être vraiment libre, para ser verdaderamente libres, pour ne plus avoir à s'en occuper, para ya no tenerse que ocupar de eso, pour tourner la page, para pasar página, et vivre autre chose, oui. Y vivir otra cosa. Il y a cette porte étroite, está esa puerta estrecha, qu'il faut franchir, que hay que franquear. Alors, je répète, ça prend beaucoup de temps, repito, requiere mucho tiempo, mais quand même, no obstante, une fois qu'on a passé la porte étroite, eh bien, una vez que pasas por esa puerta estrecha, il y a toute l'immensité du royaume, está la inmensidad del reino qui nous est donné. Que, nos es, que se nos da. Oui, j'ajoute une petite réflexion, vous voyez. Y voy a añadir una pequeña reflexión. Oui, quand l'évangile parle du pardon. Cuando el evangelio habla del perdón. Oui, l'image qui est tout le temps utilisée. Hay una imagen que se utiliza siempre. Oui, c'est l'image de la dette. La imagen de la deuda. Oui, qui est très intéressante au plan psychologique. Que a nivel psicológico resulta muy interesante. Qu'est-ce que c'est que pardonner? Oui. ¿Qué es perdonar? Bien, c'est comme remettre une dette. Es como condonar una deuda. Bon. Quelqu'un me doit beaucoup d'argent. Alguien me debe mucho dinero. Je dis non, tu me dois plus rien. Le digo, no, no, ya no me debes nada. Je te remets ta dette. Te voilà. Condono tu deuda. Tu es libre. Te la remito, eres libre. Tu ne me dois plus rien. Ya no me debes nada. Donc il y a un peu cette idée. ¿Veis? Está un poquito ahí esa idea. Et c'est intéressant parce que ça correspond à notre psychologie. Y es interesante porque eso se corresponde con nuestra psicología. Quand quelqu'un nous a fait du mal. Cuando alguien nos ha hecho daño. Comment est-ce qu'on réagit? ¿Cómo reaccionamos? Ça, tu vas me le payer. Esto me lo pagas. Et ça, c'est dans toutes les langues. Y esto es en todos los idiomas. J'ai essayé un peu partout. Lo he intentado en todas partes. En lituanien. Lituania. En chinois. Chino. Tout le monde a le même langage. Todo el mundo tiene ese mismo idioma. Tu m'as fait du mal. Me has hecho daño. Et ça, tu vas le payer. Pues esto lo pagas.
Autrement dit, tu as une dette envers moi. Dicho de otra forma, tienes una deuda hacia mí. J'ai un droit sur toi. Y tengo yo un derecho sobre ti. Le droit de me venger. El derecho a vengarme. Le droit de te faire souffrir. El derecho a hacerte sufrir. Alors, souvent, on raisonne comme ça. Con frecuencia razonamos así. Même pour des choses petites. Incluso para cosas pequeñas. Même dans les monastères et les familles. Incluso en los monasterios, en las familias. Tu m'as fait ceci. Me has hecho esto. Ben, attends. Espera. Je vais te faire payer. Me la vas a pagar. Je ne vais pas te sourire pendant une semaine. No tendrás una sonrisa durante je te toda la semana. Service. No te hago este servicio. Mais on cherche toujours un petit peu à faire payer l'autre. De alguna manera buscamos siempre que el otro la pague. Oui. On considère qu'on a un certain droit sur lui. Consideramos que tenemos cierto derecho sobre un droit qu'on réclame. Sobre él y derecho que reclamamos. Mais ce dont on se rend pas compte. Pero de lo que no nos damos cuenta. Oui, c'est que ça nous empoisonne la vie. Es que eso nos envenena la vida. Ça nous empoisonne le cœur. Nos envenena el corazón. Parce qu'on est dans une dépendance. Porque ahí hay una dependencia. On attend que l'autre vienne payer, enfin. Esperamos a que el otro venga a pagar. Bien qu'il vienne se jeter à nos pieds en. O que se eche a nuestros pies. Ce qui peut-être n'arrivera jamais. Lo que probablemente no ocurra nunca. Vous voyez, donc on reste dans une dépendance. Es decir, que estamos ahí en una dependencia. On est plein de calculs finalement. Y nos llenamos de cálculos. De calculs humains. Vous voyez. Cálculos humanos. Alors, tu m'as fait du bien, bon, bah, je vais te faire du bien. Me has hecho algo bueno. Te lo voy a hacer a ti también. Mais tu m'as fait du mal, alors là je vais te faire du mal. Oui. Pero me has hecho daño. Oui. Yo también te lo voy a hacer. On est dans des calculs. Eh? Oui. Estamos ahí calculando. Des comptabilités. Oui. Comptabilisando. On a un peu ce genre d'attitude, vous voyez. Y tenemos un poco este tipo de actitud. Bon voilà, tu m'as fait du mal. Vale, me has hecho daño. Bon, pour le moment, je bouge pas. De momento no hago nada. Je me venge pas parce que. No me vengo. Je suis une bonne religieuse. Soy una buena religiosa. Bon paroissien, donc je me venge pas évidemment. Buen parroquiano, no me voy a vengar, vamos. Mais quand même. No obstante, j'ai mon carnet de notes. Ahí está mi carnet de notas, mi lista. Y voy anotando. Et puis un jour, y un buen día, là, je te présenterai la facture. Aquí está la factura. Et là, on va régler nos comptes. Hacemos cuentas. Là, tu devras payer. Oui. Ahora pagas. Et donc, on reste dans cette dépendance. ¿Veis? Estamos ahí en esa dependencia. Et puis, c'est la comptabilité. Oui. Y en esa contabilidad. Où je mesure mon attitude envers l'autre. Donde mido mi actitud hacia el otro. Selon le bien ou le mal que fait l'autre. Según el bien o el mal que ha hecho el otro. Voilà. Et on n'est pas comme Dieu. No somos como Dios. Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Que nos dice, sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Fait luire le soleil sur les bons et sur les méchants. Que hace relucir el sol sobre buenos y malos. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Hace que llueva sobre justos e injustos. Mon amour ne dépend pas de l'autre. Mi amor no depende del otro. Il dépend de moi. Depende de mí. De mon choix d'aimer. De mi decisión de amar. Cette décision d'aimer. Y esa decisión de amar. Ne sera pas conditionnée. No estará condicionada. Par l'attitude de l'autre. Por la actitud del otro. Parce que sinon, ça veut dire que c'est l'autre qui a la télécommande de ma vie. Porque si no, significa que el otro es el que tiene el mando de mi vida. Oui, quand l'autre est gentil. Quand là, je suis super heureux, oui. El otro es amable conmigo y tal, entonces yo muy feliz. Et dès que l'autre est pas gentil. Pero en cuanto el otro ya no es tan amable. Oui, je suis dans la déprime. Oui. Me deprimo. Ça veut dire que c'est l'autre qui a la télécommande de ma vie. Significa que el otro tiene ese mando a distancia de mi vida. Et je dois prendre la télécommande. Y yo tengo que hacerme con ese mando a distancia. Ser libre. Non, je dis pas que c'est facile. No digo que esto sea fácil. Aimer comme Dieu aime. El amar como Dios ama. Bon, c'est l'œuvre de toute une vie. Es obra de toda una vida. Mais c'est la bonne direction. Pero esa es la buena dirección. Et vous voyez, cette histoire de dette. Y fijaos que esta historia de la deuda. On la trouve dans d'autres contextes aussi. Aparece también en otros contextos. Là, il y a le contexte de la personne qui m'a fait du mal. Aquí es el contexto de alguien que me ha hecho daño. Donc je considère qu'elle a une dette envers moi. Y considero que tiene una deuda hacia mí. Et que j'ai un droit sur elle. Y que tengo yo derecho sobre ella. Mais il y a un autre type de situation. Pero hay otro tipo de situación. Différent, mais un petit peu analogue. Oui. Diferente, aunque algo análoga. C'est quand j'ai fait le bien. Cuando he hecho el bien. J'ai fait du bien à quelqu'un. Le he hecho el bien a alguien. J'ai fait des beaux cadeaux. Le he hecho bonitos regalos. Un magnifique voyage en France. Un viaje formidable por Francia. Je me suis dépensé pour toi. Me he desgastado, me he entregado por j'ai ti. J'ai beaucoup travaillé pour vous.
he trabajado mucho por vosotros. Si je suis prêtre, mais tous les samedis. Si soy sacerdote, todos los sacerdotes. J'ai transpiré pendant deux heures pour préparer mon sermon. Todos los sábados dos horas ahí sudando preparando la homilía. Et on a souvent ce sentiment que parce que j'ai fait le bien aux autres. Y tenemos el sentimiento de que como he hecho algo bueno para los demás. Ils sont une dette envers moi. Pues tienen una deuda hacia mí. Ils me doivent quelque chose. Me deben algo. Après tout ce que j'ai fait pour vous, todo lo que he hecho por vosotros, vous pourriez quand même avoir un peu plus de considération pour moi. Podríais tener un poquito más de consideración conmigo. Ça fait 20 ans que je suis à votre service dans la paroisse. Llevo 20 años a vuestro servicio en la parroquia. Et voilà que vous oubliez mon anniversaire. Se os olvida mi cumpleaños. Quand même. Faltaría. Oui. Vamos. Alors évidemment, il faut éduquer les gens à la reconnaissance. Et puis... Claro que hay que educar a la gente para que sea agradecida. Mais soyez attentifs, vous voyez. Pero seamos atentos, Parce qu'on peut s'enfermer là-dedans. Porque uno puede encerrarse en eso. Des déceptions, des amertumes, des colères. Y decepciones, amarguras, iras. J'ai fait du bien aux autres. Le hice bien a los demás. Et j'ai rien reçu en retour. Y no me han dado nada a cambio. Et bien tant mieux. Pues mejor. Comme ça, tu aimes selon l'Évangile. Ah, porque así estás amando según el Evangelio. Tu n'aimes pas pour recevoir en retour. No amas para que a su vez te den. Quand tu veux faire un festin, cuando quieras hacer un festín, n'invite pas tes amis qui vont te le rendre. No invites a tus amigos que te lo van a devolver. Invite les pauvres. Invita a los pobres. Qui ne peuvent pas te le rendre. Los que no van a poder devolvértelo. Et ta joie sera parfaite. Y tu alegría será perfecta. Aimer gratuitement. Amar gratuitamente. Non pas pour recevoir. Y no para recibir. Oui, il y a parfois chez certaines personnes. Porque a veces en algunas personas. Un don de soi. Que se dan, se entregan. Generosité. Con generosidad. Qui est très ambigu. Muy ambiguo. Qui peut être un chantage. Porque puede ser un chantaje. Mais je me donne beaucoup. Yo me entrego mucho. Je suis généreux. Soy generoso. Mais pour acheter l'amour des autres. Pero para comprar el amor de los demás. Pour acheter l'estime. Para comprar la estima. Pour acheter une certaine reconnaissance. Para comprar cierto reconocimiento. Et c'est là qu'on finit par s'épuiser. Y ahí acabamos agotados. Et un jour on explose. Y un día terminamos estallando. Donc soyez attentifs. Donc à cet appel de l'Évangile. Atentos a esta llamada que nos hace el Evangelio. Oui, donc à remettre les dettes. Que es condonar las deudas. Remettre les dettes à ceux qui m'ont fait souffrir. A aquellos que me han hecho sufrir. Mais remettre leurs dettes aussi. Pero también condonar deudas también. Aux personnes dont je me suis occupé. A las personas de las que me he ocupado. À qui j'ai fait du bien. A las que he hecho. Oui. El bien. Oui. Le bien que je fais aux autres. El bien que hago a los demás. Ne me donne aucun droit sur eux. No me da ningún derecho sobre ellos. Il faut que ça soit clair. Y esto tiene que estar claro. Oui. Et c'est ça être adulte dans le Christ. Y eso es ser adultos en Cristo. Oui, c'est être libre. Eso es ser libres. Personne ne me doit rien. Nadie me debe nada. Les gens qui m'ont fait souffrir. Los que me hicieron sufrir. Ils me doivent plus rien. No me deben ya nada. Parce que j'ai pardonné. Porque he perdonado. Et les gens à qui j'ai fait le bien. Y gente a quien les he hecho el bien. Ne me doivent rien. No me deben nada. Parce que je veux aimer gratuitement. Porque quiero amar gratuitamente. Et non pas pour recevoir. Y no para recibir a cambio. Alors, c'est très difficile d'arriver là. Es muy difícil llegar ahí. Oui. Mais en même temps, c'est ça qui nous rend libres. Pero al mismo tiempo, eso es lo que nos hace libres. Et c'est ça qui nous rend heureux en fin de compte. Y eso finalmente es lo que nos hace felices. Aimer comme Dieu aime. Oui. Amar como Dios ama. Sans calcul, sans comparaison. Sin cálculos, sin comparaciones. Sans tout le temps attendre. Sin esperar constantemente. Une récompense, un retour. Recompensas, retornos. Et c'est Dieu lui-même qui sera notre récompense. Dios, es el mismísimo Dios quien será nuestra recompensa. Ce sera infiniment plus beau. Y que será infinitamente más hermoso. Que ce que je réclame aux autres. Que eso que estoy reclamando a los demás. Bon, faut que je m'arrête parce que. Me tengo que parar. C'est bientôt l'heure de la messe. Porque va a ser la hora de la misa. Voilà, donc bien demandons cela au Seigneur. Pues pidámosle esto al Señor. Avoir beaucoup de foi. Tener mucha fe. Beaucoup d'espérance. Mucha esperanza. Beaucoup d'amour pour Jésus. Mucho amor por Jesús. Et pour nos frères et sœurs. Y por nuestros hermanos. Que dans cette foi et cet amour. Y en esa fe y en ese amor. Bien nous trouvions le courage nécessaire. Hallemos el coraje necesario. Pour pardonner. Para perdonar. Quand c'est nécessaire. Cuando sea necesario. Amen. Amen.
Voilà, allons rendre grâce au Seigneur. Demos gracias al Señor. À l'Eucharistie. En la Eucaristía.